C'est un réel plaisir de vous accueillir, Madame la Présidente, chère Martine, dans ce cadre collinaire de qualité, dans cet environnement privilégié, pour poser ensemble la première pierre de la réhabilitation du centre de loisirs sans hébergement de la Plantade. Et comme tu as pu le constater par mes propos lors de nos différentes conversations sur les futurs projets de Rognac, nous avons tant de choses à faire ensemble, chère Martine. Merci encore de ta présence et je te cède la parole. Le maire de la Barbenne, Christophe Amalric, a toujours dit qu'ici, il n'y avait que des gens qui étaient très bien. Donc, comme j'écoute très souvent M. Amalric, eh bien derrière, je peux vous le confirmer. En tout cas, pour moi, c'est un grand plaisir de venir poser cette première pierre. Alors, c'est que la première pierre, hein, donc là-dessus, on ne se permettrait pas de pouvoir faire un mur complet. Mais effectivement, derrière, je crois que c'était important de pouvoir aujourd'hui faire ce geste. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi d'être là aujourd'hui parce que c'est vrai que ce projet, tu m'en avais parlé. Stéphane l'a mené, est en train de le mener à bien. Alors, j'ai bien compris qu'il y avait plusieurs phases, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir, comme tu le disais très justement, donner sa chance aux enfants, parce que les enfants, c'est notre avenir. Parce que derrière, nous devons travailler pour les prochaines générations. Et ici, mettre en avant la jeunesse et mettre en avant et réhabiliter cet espace qui est absolument magnifique est tout à fait normal. Donc, il est clair que nous devons travailler main dans la main pour des projets qui vont sortir, des projets qui sont utiles pour nos populations, pour vos habitants. Depuis que je suis arrivée en responsabilité, sur les 119 communes du département, il y a 110 communes qui ont eu des fonds qui ont été donnés. Donc le maire d'une commune, lorsqu'il a un bon projet, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas effectivement le développer. J'ai tenu à maintenir ce montant d'investissement pour que ces projets puissent sortir et puissent sortir de terre. On a un intérêt commun, cet intérêt commun, c'est l'intérêt de nos populations et qu'on puisse être dans un territoire où on est bien, où on se sent vivre. Et puis nous allons aussi travailler avec la gendarmerie parce que je crois qu'il y a un petit peu de rénovation à faire. Enfin, il faut surtout la raser et en faire une autre ailleurs, si j'ai bien compris. Donc c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, c'est un avantage et c'est quelque chose de très important d'avoir des gendarmes qui soient à disposition de la population. Donc d'abord, je tiens à leur rendre hommage, comme je le fais régulièrement, pour leur action qu'ils mènent au quotidien et surtout l'appui qu'ils ont auprès des populations. Et donc là-dessus, effectivement, nous avons un gros travail d'investissement à faire au niveau des gendarmeries. Le conseil départemental est là. Les anciennes EPCI devenues métropoles doivent être aux côtés aussi des communes pour aller dans le sens du développement de notre territoire. Donc en tout cas, c'est ce qui m'anime aujourd'hui, c'est ce qui m'animera demain. Et sachez que nous resterons aux côtés des Rognacais le plus longtemps possible. Merci à tous et à toutes. Et on va passer à l'apéritif parce qu'on est en train de mourir de froid.